Rocks a été un centre de villégiature important dans le développement de l'histoire du tourisme dans les Laurentides. Ce centre est l'un des hôtels les plus anciens et a été l'un des plus populaires de la région. Grâce à une banque d'archives cinématographiques du Musée du ski des Laurentides, laissez-nous vous transporter à l'époque du Grey Rocks et revivons les Laurentides d'autrefois. Dans les années 1920, George Ernest Wheeler et son épouse, Lucille Eldridge, qui étaient déjà établis au lac Wimette depuis quelques années, ont ouvert une auberge pour les skieurs qui, de plus en plus, venaient dans les Laurentides et plus précisément dans les montagnes qui entourent le mont Tremblant. Ils offraient non seulement le gîte et le couvert, mais aussi, il les dirigeait vers certains sentiers qui étaient déjà tracés. Les Wheelers ont rapidement constaté que pour avoir une clientèle intéressante, une clientèle qui reviendrait, il fallait un peu avoir d'autres activités que le ski. Or, ils ont d'abord fait des pentes de ski, des pentes de ski alpin. Ils ont aussi, si vous voulez, réussi à installer du skidgering. Le skidgering, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais se faire tirer par un cheval en ski sur le lac. Ils ont fait aussi une patinoire. Ils ont installé un curling. Ils ont fait pratiquer la raquette et aussi des promenades en carriole dans les sentiers environnants. Ou encore, encore mieux, dans des traîneaux tirés par des chiens. Alors, ce qui fait que, si vous voulez, toutes ces activités-là ont attiré de plus en plus de monde. En 1932, ils ont fait construire un refuge où ceux qui montaient le mont pourraient aller là se reposer. Ensuite, il faut dire une autre chose. Ils ont fondé une école de ski, Snow Eagle. Snow Eagle, qui est devenue une des écoles de ski les plus importantes de la région. Et finalement, juste pour vous dire que c'est la petite fille des Wheeler, Lucille Wheeler, qui a été la première Canadienne à remporter une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Cortina d'Ampezzo. Et l'année suivante, elle a remporté le championnat mondial du ski alpin. Les Wheelers sont aperçus que c'était beau d'avoir un hôtel pour l'hiver, mais il y avait toutes les activités estivales. Et surtout qu'il y avait un très beau lac devant eux, le lac Wimette.
Or, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé une plage, ils ont organisé la natation, ils ont organisé du plongeon, ils ont organisé du bateau à voile, ils ont organisé, un peu plus tard, du ski nautique. Et pour satisfaire aussi leurs clients, leur clientèle, ils ont d'abord fait une école d'équitation, ils ont aussi construit un golf, ils ont aussi construit des cours de tennis. Et même, il y a même eu, à Grey Rocks, une école de tennis, à la fois pour les novices et pour ceux qui voulaient se perfectionner. À l'automne, vous savez qu'il y a beaucoup de visiteurs qui viennent dans les Laurentides pour regarder cette féerie des couleurs. Or, les Wheelers sont organisés pour les recevoir. Mais au surplus, à partir des dans les années 1922, ils ont acquis un avion de l'armée canadienne. Et à cet avion, ils ont ajouté des flotteurs. Or, ce qui veut donc dire que cet avion pouvait amener des touristes, des visiteurs, dans des lieux où on ne pouvait pas aller autrement que par l'avion. Et là, les touristes, les visiteurs pouvaient faire des pêches abondantes et pouvaient faire des chasses dignes d'un roi. Finalement, les Wheelers organisaient différentes activités sociales. Par exemple, le fameux 5 à 7 est demeuré célèbre dans les Laurentides. Et en plus, le soir, on organisait des danses, on organisait des séances de cinéma, on organisait des conférences pour permettre aux gens de se lier. Et aussi, qu'est-ce qui était très important, c'est que les moniteurs se mêlaient avec les visiteurs pour animer ces soirées.
En guise de conclusion, on peut dire que l'hôtel Grey Rocks a été une des premières des Laurentides à ne pas se limiter au ski, mais à offrir à sa clientèle des activités toute saison. Par la suite, plusieurs autres hôtels ont repris le même, si vous voulez, le même système, la même organisation pour être capable d'offrir à une clientèle des activités toute saison, ayant tout étant compris nourriture, gîte et activités. Voilà l'héritage que Grey Rocks a laissé à nos Laurentides.